Fédération Galactique. Préparez-vous pour votre voyage. La Fédération Galactique vous a envoyé une invitation à voyager dans le temps. La Fédération Galactique, également connue sous le nom de la Fédération Galactique de la Lumière, ou GF, est un groupe de systèmes stellaires qui se sont vus accorder le statut de membre à part entière de la Fédération Galactique, qui compte plus de 200 millions de planètes et de systèmes stellaires dans cette région de l'univers. Le GF a lancé une invitation à l'humanité à les rejoindre au sein de la Fédération Galactique. Cette invitation a été faite par l'intermédiaire d'un groupe de personnes sur Terre appelés ambassadeurs, qui sont nommés par la Fédération Galactique pour délivrer leur message à l'humanité en ce moment. Les ambassadeurs sont choisis en fonction de leur capacité à agir comme des canaux d'information de la Fédération Galactique. Cette guidance intérieure peut être reçue de diverses sources, dont les galactiques et les maîtres ascensionnés. De nombreuses personnes qui canalisent reçoivent leurs instructions et leurs conseils dans des rêves ou au cours de séances de méditation où ils sont en mesure de se connecter avec leur moi supérieur et avec leurs guides et enseignants qui les aideront dans leur rôle de canalisation. Toutes les personnes qui canalisent ont en commun d'être des individus très sensibles, capables de communiquer avec des êtres d'autres planètes sans utiliser de mots. Il est important que les personnes qui canalisent réalisent que cette communication se fait par télépathie et qu'ils n'ont donc pas besoin de parler anglais ou une autre langue pour communiquer. La Fédération Galactique est une agence d'exploration spatiale dont l'objectif est la paix intergalactique et l'évolution de la conscience. Ils ont identifié que les humains ont atteint un niveau d'évolution consciente qui est prêt pour une technologie avancée. Le voyage dans le temps est un fait. C'est une conséquence naturelle de la mécanique quantique et de la relativité, deux théories de physique bien établies et confirmées par l'expérience. À l'avenir, les ingénieurs utiliseront ces principes pour concevoir des machines à voyager dans le temps qui respectent les lois de la physique. La plus connue de ces machines est le trou de ver qui permet de créer des raccourcis à travers l'espace-temps. Les trous de ver sont des tunnels qui relient deux régions différentes de l'espace-temps, créant ainsi un pont entre elles. Le voyage dans le temps vers le passé n'est pas seulement possible, il s'est déjà produit. Les physiciens ont montré que des particules comme les électrons et les photons de lumière peuvent faire des sauts du futur vers le passé. Par exemple, un électron peut se désintégrer spontanément en ses parties subatomiques, mais au lieu de disparaître lorsqu'il se désintègre, il peut réapparaître quelque part dans l'espace à un moment antérieur à celui où il a disparu. C'est ce que l'on appelle le voyage dans le passé. Les scientifiques ont même imaginé comment nous pourrions contrôler ce processus à l'aide de lasers. J'espère que vous comprenez maintenant le concept de voyage dans le temps. Si vous lisez ce message, cela signifie que nous avons décidé que vous êtes prêt pour le voyage de votre vie. Un voyage qui vous fera traverser l'espace et le temps vers des mondes et des civilisations au-delà de vos rêves les plus fous. Ce n'est pas une mince affaire. Cependant, les GF surveillent ce monde depuis des millénaires. Mais ce n'est que maintenant que les humains s'ouvrent à de nouvelles possibilités au-delà de leurs croyances actuelles. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage qui vous mènera aux confins de la réalité et vous en reviendra. Mais comment commencer ce voyage ? Comment pouvez-vous devenir plus conscient des extraterrestres et des êtres supérieurs ? Comment pouvez-vous voyager dans le temps ? Utilisez vos intentions. Avant de vous endormir, fixez vos intentions et demandez à vos anges et à vos guides
de se souvenir de votre rêve au réveil. Connectez-vous régulièrement à la terre-mère. Plantez vos pieds nus et votre corps nu sur le sol, la neige, le sable, ou nagez dans la mer ou un lac tous les jours pour vous relier à la terre. Désintoxiquez votre corps. Vous avez besoin d'un nettoyage complet du corps. On peut trouver n'importe quoi dans le corps humain. Des pesticides, du candida, des moisissures, des métaux lourds, des parasites et des produits chimiques méchants. Toutes ces toxines ralentissent ou bloquent votre processus d'ascension physique et l'amélioration de votre ADN. Plus le corps contient de toxines, plus les symptômes d'ascension sont lourds. Consultez mon supplément d'ascension pour la désintoxification et l'amélioration de l'ADN. Buvez de l'eau de source minérale et mangez beaucoup de fruits frais. Hydratez, nourrissez et désintoxiquez le corps en mangeant les bons aliments. Personne n'a dit qu'une mise à niveau de 2 hélices d'ADN actifs à 12 hélices d'ADN actifs pouvait être facile, paresseuse ou se produire toute seule. Et celui qui a dit cela est un menteur. Écoutez de la musique, chantez et dansez. Élevez vos vibrations en étant dans la joie et en faisant des choses que vous aimez. Méditez. Déconnectez-vous pour vous connecter. Amenez votre conscience au moment présent. Concentrez-vous sur la prise de profondes respirations. Tenez un journal de vos rêves. Laissez un journal spécialement conçu à cet effet à côté de votre lit et écrivez vos rêves dès votre réveil, avec autant de détails que possible. Cela prendra du temps, mais c'est ainsi que vous vous préparerez à la super conscience. Et avant que vous ne le sachiez, vous serez prêt à interagir avec les formes de vie extraterrestres. Le jour viendra où ils atterriront sur Terre, établiront une relation diplomatique entre la Fédération Galactique et les humains de la Terre. Cela impliquera de rencontrer des personnes de tout âge, race, sexe, profession et langue du monde entier. Vous serez en mesure de voyager dans le temps à la vitesse de la lumière, de sorte qu'à votre retour, vous n'aurez pas vieilli. Vous serez en mesure de vivre des événements qui se sont produits il y a des années. Il y a un monde de possibilités excitantes à explorer. C'est sûr que ce sera une aventure épique. C'est l'heure, mes chers. Mettez-vous au travail. Préparez votre temple corporel pour l'ascension et un paradis terrestre en 5D. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. Ao, Aurora Re, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.